Alors aujourd'hui nous sommes à Villeneuve-d'Ascq dans un environnement très résidentiel. Nous allons voir un T2 situé dans cette résidence, résidence qui est sécurisée. On est sur un secteur vraiment calme. Vous allez voir, l'appartement est assez sympa. Je me permets de vous le montrer parce qu'en fait on a la chance d'avoir un parc qui est assez arboré. Nous sommes à deux pas aussi de l'office de tourisme de Villeneuve-d'Ascq. Vous voyez qui se trouve juste ici. Et donc nous allons entrer dans ce bâtiment pour découvrir le T2. C'est parti. Alors, nous allons accéder à la résidence. Vous allez voir, c'est sécurisé, une résidence qui est sécurisée. Nous avons une première porte et un sas. Et enfin, nous accédons aux parties communes. Vous voyez l'ensemble des boîtes aux lettres qui se trouvent juste ici. Et donc nous allons prendre du coup l'escalier pour se diriger vers le premier étage. Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà, on se trouve au premier étage. Bon, je ne l'ai pas précisé, mais il n'y a pas d'ascenseur. Mais bon, pour le premier étage, c'est pas trop gênant. Voici l'appartement. Il est en travaux, mais on souhaitait quand même vous le montrer parce qu'il est vraiment sympa. Il y a quelques travaux de rafraîchissement au niveau de l'appartement. Donc vous allez avoir la chance d'avoir un appartement qui sera rénové. Donc juste ici, nous allons trouver l'entrée avec un espace de rangement. Voilà, vous pouvez très bien faire du stockage, votre dressing, pourquoi pas. Vous avez aussi le tableau électrique, il y a les travaux d'électricité, donc le tableau qui est tout à fait récent. Il y a les travaux d'électricité et de plomberie. Voici la pièce principale, donc une grande pièce lumineuse. Ça, c'est très sympa. Au niveau de la vue, ça nous donne eh bien, sur le parking. Parking qui est un peu loin, il n'est pas juste à proximité. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez une vue qui est dégagée, donc vous allez avoir un maximum de lumière, ce qui est très appréciable. Voilà, au niveau du sol, nous avons un carrelage, donc idéal pour nettoyer. Et au niveau du mur, on a une fibre couleur de peinture blanche. Donc là, vous avez du coup la cuisine. Alors, comme je l'ai précisé, hein, il y a un peu de rénovation qui est en train d'être fait dans l'appartement. Néanmoins, vous avez plusieurs tiroirs de rangement, placards de rangement, notamment un four, quatre plaques vitro-céramiques. Voilà, vous avez aussi une hotte aspirante, différents placards hauts, et aussi le plan de travail, donc idéal pour bien pour cuisiner. Côté convivial, c'est qu'en plus, voilà, on est directement sur le séjour. Vous allez avoir aussi du rangement. Je parlais du rangement qui était ici au niveau de l'entrée, mais ici également, vous allez avoir, vous avez vu, comme j'ai dit, il y a quelques aménagements qui sont faits. Et donc, on a un beau dressing qui se trouve juste ici. Au niveau du sol, j'en ai pas parlé, mais comme sur l'entrée, nous avons un parquet qui est très sympa. La chambre, la voici. Donc, il y a encore quelques travaux d'électricité. Donc on a une peinture qui est une peinture beige, voilà. Donc la chambre ne possède pas de rangement, mais on l'a vu, il y avait le dressing qui était juste ici. Néanmoins, vous avez la place pour mettre une commode, hein, si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre un 880, une commode, sans problème. Côté fenêtre, on est sur de double vitrage PVC, idéal pour l'isolation phonique et thermique. Donc phonique, on n'entend quasiment rien. Je vous dis, c'est un secteur qui est vraiment calme, qui est assez sympa. Nous avons les toilettes qui se trouvent juste ici. Et enfin, on va trouver la salle de douche avec arrivée machine, un double vasque, un meuble double vasque avec une cabine de douche. Voilà, celle-ci est en train d'avoir quelques petits travaux, mais ce sera parfait pour votre installation. Eh bien écoutez, si cet appartement vous plaît, n'hésitez pas à déposer votre dossier sur notre site internet. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.